Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soir Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de chromer des adversaires. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une partie contre des bots. Comme ça, vous serez beaucoup plus tranquille pour réaliser le défi parce que les bots, ils vont se laisser faire et vous allez pouvoir le faire facilement. Vous allez le voir dans le gameplay. Donc si vous savez pas comment créer une partie contre des bots, il y aura un lien en description, en commentaire épinglé. Alors moi ce que je vous conseille maintenant, c'est d'aller au sanctuaire du héros ou à Lustrous Lagoon ou à Chrome Crossword, enfin bref, tous les lieux dits où vous avez du chrome. Comme ça, quand vous allez casser des objets de chrome, vous allez obtenir des aspergeurs de chrome. Et ça va vous être utile pour justement réaliser le défi parce que vous devez chromer des adversaires. Et la seule solution pour chromer des adversaires, c'est avec des aspergeurs de chrome. Donc vous pouvez aussi les trouver dans des coffres, hein, les aspergeurs de chrome, et vous pouvez aussi les trouver par terre comme ça opposé au sol sur Fortnite. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser le défi, donc c'est d'avoir plusieurs chromes, hein. Franchement prenez-en moins une dizaine, comme ça si vous loupez jamais, si vous ne loupez pas d'ennemis, vous allez réussir le défi en une seule partie parce qu'il va falloir chromer 10 adversaires. Mais voilà, si jamais vous avez du mal à toucher l'adversaire avec votre chrome, si vous en avez 10, au moins vous allez pouvoir au moins y arriver, au moins une fois, deux fois, voire trois fois, hein. Donc moi c'est ce que je fais, je casse plein d'objets, je récolte 10 aspergeurs de chrome et puis ensuite j'irai chercher des adversaires pour les chromer. Ok, donc là moi j'ai pris 16 aspergeurs de chrome parce que je suis dans une partie que contre des bots, donc j'ai pas vraiment besoin d'armes. Par contre si vous n'êtes pas dans une partie contre des bots, moi ce que je vous conseille c'est de le faire quand même en duo, section ou trio. Comme ça quand vous allez mettre un adversaire à terre, vous allez pouvoir le transformer quand il est en PLS et quand il est par terre. Parce que sinon, le transformer quand il est debout et quand il vous tire dessus, ça va être un peu plus complexe. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lancer en duo, trio ou section et de ne surtout pas le faire en solo parce que vous allez galérer. Donc voilà, là maintenant, je vais chercher après des adversaires pour les transformer en chrome. Regardez, là, il y a un adversaire. Vous allez voir, comme je suis en partie bot, l'adversaire, il sait pas trop jouer. Pour mourir en partie bot, c'est un peu compliqué parce que les adversaires sont pas très forts. Donc voilà. Donc là, regardez, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de transformer l'adversaire. Après, ce que vous pouvez faire, c'est de le faire avec un seul adversaire. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement attendre que l'adversaire se détransforme, hein. Je pense que c'est toutes les 30 secondes, voire une minute. Ah, regardez, il y a un autre adversaire là-bas, on va en profiter. On va le transformer en chrome. Hop, comme ceci. Voilà, parfait. Et maintenant, on va aller revoir l'autre. Donc, il est toujours chromé. Et on va attendre qu'il se déchrome. Et ensuite, on va le rechromer. Donc là, normalement, il ne devrait pas tarder. Ok, voilà. Là, il a déchromé. Hop, on le rechrome. Et vous allez faire ça en illimité jusqu'à temps que les 10 adversaires... Ah non, regardez, j'ai même encore une meilleure solution, en fait. Regardez, vous chromez l'adversaire. Ensuite, vous lui tirez dessus. Voilà, vous le retransformez. Voilà, vous le retirez dessus et vous le retransformez. Et vous faites ça en illimité. Bon, après, il va mourir, bien entendu. Donc là, on va tirer sur celui-là. Hop, maintenant, on le rechrome. Et voilà, vous faites ça en illimité jusqu'à temps que vous avez terminé le défi et que vous avez chromé 10 adversaires. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.